J'ai fait appel aux piscines biodesign chez moi parce que cela répondait à de nombreux critères qui étaient très importants, à savoir l'esthétique, revêtement naturel qui se rapproche de l'idée de la plage et de la rivière, et aussi une ambiance familiale puisque toute la famille peut profiter de ce bassin. Ce qui m'a séduit, c'est la possibilité d'avoir différents grains, donc de pouvoir personnaliser vraiment en fonction de mes goûts, des attentes, de tout ce qui pouvait me correspondre. Donc je sens que c'est une piscine qui est vraiment adaptée à ce que j'aime. La demande du client était d'avoir une piscine naturelle qui se fond dans le décor, en harmonie également avec la nature, l'environnement existant. Les particularités de ces piscines sont notamment au niveau de la technique de construction. Nous n'utilisons pas de béton, ni de maçonnerie, ni d'ouvrage invasif pour la terre. Les différentes étapes sur lesquelles BK Construction intervient, en général, c'est du terrassement à la mise en eau. Le terrassement qu'on réalise avec un engin, et par la suite, on commence la modélisation du terrain. La différence que nous trouvons sur les piscines biodesign par rapport aux piscines traditionnelles liées au visuel. Nous avons l'aspect plage comme celle-ci ou un aspect rivière. Tout dépend du type de grain et de la couleur du grain qui aura été choisi. Nous avons également une particularité au niveau des parois. Les parois, elles sont en pente, maximum 45 degrés. Cela permet justement aux baigneurs d'utiliser l'ensemble du bassin. Le type de revêtement utilisé pour les piscines biodesign est la pierre de quartz sous forme de grains de sable. La particularité de la pierre de quartz est sa capacité de pouvoir garder la chaleur, ce qui rend justement l'eau naturellement plus chaude. Les piscines biodesign sont dotées également de joints de dilatation. Ça a une fonction esthétique, mais également une fonction technique. La structure est autoportée, ce qui permet d'amorcer les mouvements de sol, notamment lors des plongeons des baigneurs, et des mouvements de sol tels que les séismes.